شرائع عبادي فك قيده الحرام وجعل ذلك على اركان الاسلام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله ليبين لامته شرائع الاسلام صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الائمه الاعلام وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الناس اتقوا الله تعالى واعبدوه مخلصين له الدين كما امركم بذلك في الكتاب المبين عباد الله في هذه الايام المباركه يستعد المسلمون للسفر لحج بيت الله الحرام منهم المتنفل بحجه ومنهم من يؤدي به فريضه الاسلام ولا شك ان ذلك يحتاج الى الاستحضار بما يلزم له ماليا وبدنيا ونيه وقصدا فيحتاج الى الاستحضار بالنفقه الكافيه التي يستحمي بها عن الناس قال تعالى وتزوجوا فان خير الزاد التقوى فامر سبحانه بالتزوج وهو اخذ الزاد الكافي لسفره ذهابا واياها وتوفير المرغوب المناسب الذي يحمله في سفره ويبلغه الى بيت الله الحرام ثم يرده الى وطنه قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا والسبيل الذي اشترط الله استطاعته هو الزاد المرغوب المناسب في كل وقت بحسبه ولما كان الناس يهجون بالاوزار ويصعبون عاره على الرجال ويقولون نحن متوكلون نهى الله عن ذلك فامر بالتزود بما يغنيهم عن الناس فقال وتزودوا فان خير الزاد التقوى Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Nous glorifions, nous implorons son secours, nous demandons son pardon. La guidance est dans sa main. Il guide celui qui veut, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidé, on ne trouvera personne pour l'égarer. L'égarement est dans sa main, il égare aussi par sa justesse celui qui veut. Celui qui a été égaré par Allah, on ne trouvera personne pour l'égarer. Nous attestons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans son être. Il est unique dans sa divinité. Il est unique dans son adoration. Il est unique dans ses noms et attributs. Nous témoignons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'augmenter sa paix et sa miséricorde sur lui-même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa noble famille et ses compagnons fidèles qui sont des imams bien instruits. Serviteur d'Allah. Ô serviteur d'Allah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, craignez-le et vous êtes exclusivement le but. Vous êtes exclusivement le but pour Allah, c'est-à-dire cette laboration pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Comme il nous a recommandé, comme il nous a recommandé dans son livre explicite, dans son livre explicite qui est le Saint-Coran, que vous voulez exclusivement le but, c'est-à-dire de faire l'adoration uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah, pendant ces jours bénis, des musulmans en français. Les musulmans vont se préparer pour effectuer un voyage. Voyage en destination de la Mecque pour aller accomplir le pèlerinage. Pour aller accomplir le pèlerinage à la maison antique, à la maison sacrée d'Allah. Parmi les pèlerins, il y a ceux qui ont déjà fait un premier pèlerinage qui était obligatoire, qui part pour un pèlerinage surérogatoire. Et parmi eux, il y a ceux qui partent pour la première fois pour accomplir l'obligatoire pèlerinage.
serviteur d'Allah. Il n'y a pas de doute. Pour aller faire le pèlerinage, on a besoin de préparatifs. On a besoin de préparatifs. On doit se préparer pour aller faire le pèlerinage à la Mecque en économisant les moyens financiers et les moyens physiques et aussi en intention. Lorsqu'on va faire le pèlerinage à la Mecque, on doit d'abord avoir les moyens. Lorsque Allah a dit pour ceux qui en ont les moyens, il faut avoir les moyens financiers et les moyens physiques. Les moyens financiers, qui a le billet aller et retour, les moyens physiques, non seulement qui est en bonne santé. Donc, qui a les moyens financiers, qui est en bonne santé, alors, et qui a les moyens physiques, les moyens financiers, qui a le billet aller et retour, et aussi l'argent de poche, ce que tu dois dépenser à la Mecque, et les moyens physiques, qui est en bonne santé, qui peut aller faire le pèlerinage en toute sécurité. Lorsqu'on a les moyens financiers, on a l'argent, on a les moyens, et qu'on n'est pas en bonne santé, le pèlerinage n'est pas obligatoire. Lorsqu'on on a les moyens physiques, on est en bonne santé, on se porte très bien, mais on n'a pas les moyens financiers, le pèlerinage n'est pas obligatoire. Pour aller accomplir le pèlerinage à la Mecque, il faut avoir et les moyens financiers et les moyens physiques. C'est un état d'avoir. Celui qui a les moyens financiers et les moyens physiques, alors tu dois aller faire un pèlerinage à la Mecque. Donc, les préparatifs, c'est avoir les moyens financiers et avoir les moyens physiques, faire ses visites médicales, se faire soigner avant d'aller faire. Parce que le pèlerinage, c'est quoi? C'est un jihad de sabilillah. C'est un combat dans le chemin de Dieu. Et pour aller au combat, il faut se préparer, il faut avoir les armes. Les armes du pèlerin, c'est quoi? C'est les moyens financiers. Les armes du pèlerin, c'est quoi? C'est avoir les moyens physiques pour effectuer le pèlerinage à la Mecque. Et aussi, il faut aller avec une bonne intention pour dire que l'adoration que je vais aller faire, qui est le pèlerinage, je le fais uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'Allah soit satisfait de moi. C'est un but d'avoir. Comme je le disais, il faut avoir économisé les moyens suffisants. Il fait en sorte que tu n'auras pas besoin de demander les gens pendant le pèlerinage. Allah est très haut, nous recommande à disant, approvisionnez-vous. Prenez des provisions avant d'aller faire le pèlerinage. Et sachez que la meilleure provision, c'est quoi? C'est la crainte d'Allah. Allah a recommandé de prendre des provisions. Allah a recommandé de prendre des provisions, d'avoir suffisamment de provisions pour son voyage en allant et en revenant. Et à savoir une monture convenable pour effectuer ton pèlerinage. Alhamdulillah, actuellement, au temps du prophète, c'était les chameaux, c'était les chevaux, c'était les ânes, c'était les mulets. Mais actuellement, c'est les avions. Pour nous qui sommes loin, et les voitures pour les pays limitrophes de l'Arabie Saoudite. Et même les bateaux, les gens qui montent sur les bateaux. Par exemple, les pèlerins, la plupart des pèlerins, les jeunes religieux, puisqu'ils sont beaucoup, et ils partent, la plupart partent dans les bateaux. Tu dois avoir une voiture convenable qui doit te transporter jusqu'à ce que tu arrives à la maison sacrée d'Allah, et après le pèlerinage, il doit te faire revenir jusqu'à ta patrie, ou bien dans le pays où tu résides. Les travaux disent, et c'est un devoir pour Allah envers les gens, c'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens d'aller faire le pèlerinage à la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah s'efface largement des mondes. C'est le fait d'Allah. Ce verset, ce noble verset, nous recommande pour ceux qui en ont les moyens d'aller une seule fois effectuer le pèlerinage à la Mecque, comme on l'a dit tantôt, pour celui qui a les moyens, c'est-à-dire les moyens financiers et les moyens physiques. C'est un devoir pour, envers Allah, pour ceux qui en ont les moyens. Lorsque Allah a dit ceux qui en ont les moyens d'aller, il s'agit de voir la condition, comme on l'a dit tantôt, c'est voir, avoir, alors, ceux qui devoir, avoir des voies financées pour son voyage. C'est-à-dire son billet aller-retour. Son billet aller-retour et avoir une monture convenable. C'est-à-dire actuellement, ce sont les avions. Comme les gens partaient, à l'époque, il y a du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, certains pèlerins partaient à la Mecque.
il partait, il ne faisait pas de provision. Et il disait que nous, en place, notre confiance sur Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils partent même vite. Et quand ils arrivent à la mer, ils deviennent une charge pour les autres pèlerins. Allah a recommandé en disant, prenez des provisions avant d'aller faire le pèlerinage à la mer. Mais sachez que la meilleure provision, c'est la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est là, alors, on ne doit pas dire, et moi je place ma confiance sur Allah, alors que tu n'as pas les moyens financiers et physiques. Sinon, tu risques d'être une charge pour les pèlerins en les demandant pour la nourriture. Alors, il faut éviter ça. Si, vois la mer quand tu as les moyens. Même quand tu as le billet aller-retour, lorsque tu n'as pas l'argent de poche, parce que là-bas tu dois dormir à l'hôtel, là-bas tu dois manger, alors il faut avoir tous les moyens nécessaires pour aller faire le pèlerinage à la mer. Si cela n'est pas, tu n'as pas ces moyens, le pèlerinage pour toi n'est pas obligatoire. Serviteur d'Allah, on doit avoir les moyens qui fait en sorte qu'on se passe les gens. On ne va pas aller demander les gens pour demander de quoi manger. Mais la meilleure des provisions, c'est quoi? C'est la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que tu dois faire ton pèlerinage pour qu'Allah soit satisfait de toi. Les gens, à l'époque du prophète Mohammed, vous croyez que lorsqu'on va faire le pèlerinage à la Mecque, on ne va pas faire une activité commerciale pendant le pèlerinage. Il croit qu'en faisant ça, c'est comme si ton pèlerinage n'est pas accepté. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, vous n'avez pas de griefs, vous n'avez pas de péché de faire une activité génératrice de revenus au cours du pèlerinage, cela n'est pas un péché. C'est une grâce qu'Allah nous apporte. Par faire ton pèlerinage, il n'est pas interdit. Dans la marchandise que tu connais qui marche en Arabie Saoudite, de prendre ça depuis ici et d'amener en Arabie Saoudite, de le vendre pour avoir des bénéfices. Cela n'est pas interdit pour le pèlerin. Et cela ne gaspille pas ton pèlerinage aussi. Non seulement tu as fait ton pèlerinage et tu as aussi trouvé des bénéfices. Allah nous a accordé ça, cela n'est pas un péché. Allah a encouragé ça dans son livre. Serviteur d'Allah, obligatoirement, on doit avoir deux qualités de provision en partant vers le pèlerinage à la mer. Une provision pour ces barons, telle que quoi, telle que la nourriture et la boisson suffisante. Jusqu'à la fin de ton père. Et une deuxième provision, c'est quoi, pour le jour dernier, qui est quoi, en faisant des bonnes œuvres. Pendant le pèlerinage, tu dois faire des bonnes œuvres, des bonnes actions, et tu dois t'éloigner des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala a permis de faire l'activité commerciale pendant le pèlerinage. En cherchant le bénéfice, en cherchant un bénéfice qui est licite, cela ne sera pas une barrière entre toi et l'adoration que tu vas faire, tant que ça n'a pas dominé ton temps, tant que ça ne t'a pas alors empêché de faire les rites du pèlerinage. Comme Allah subhanahu wa ta'ala alors a dit que en faisant cette activité commerciale pendant le pèlerinage, cela ne te prive pas alors de toi, de ta confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala. On dit pas c'est parce qu'on a refusé de partir, alors parce qu'on n'a pas les moyens financiers nécessaires, alors qu'on n'a pas placé sa confiance en Allah. Quand tu pars, tu dois avoir les moyens nécessaires. Quand tu n'as pas les moyens nécessaires, ne parle pas dire seulement j'ai le bien, je vais partir. Je place ma confiance en Allah. Allah nous interdit ça. Avoir de quoi dépenser, oui. Et cela ne peut pas être une barrière entre toi et la confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour vous dire que avant d'aller, il faut avoir les moyens nécessaires pour ne pas être une charge pour les autres pèlerins. Alors pendant le pèlerinage. Serviteur d'Allah. Obligatoirement, le pèlerin doit économiser, il doit avoir de quoi laisser à sa famille. Quand il part faire le pèlerinage à la Mecque pour un père de famille, non seulement on a dit qu'il doit avoir les moyens financiers et physiques, mais tu dois laisser pour ta famille. Ce qu'ils vont manger, de quoi ils auront besoin, jusqu'à ce que tu reviennes envers eux. Ne parle pas à la Mecque, parce que tu as les moyens de bien aller retrouver la bonne ébauche. Alors que tu n'as rien à laisser à ta famille. Ta famille, leur charge revient à toi. Si celui qui n'a pas les moyens, il n'a pas quelque chose à laisser à sa famille,
avoir le tribunal, lui n'est pas obligatoire.